Chers amis, je bénis le Seigneur pour ce moment de paix, de grâce et de joie que nous passons chaque fois que nous sommes donc à l'étude de sa parole. Bienvenue à vous à ce moment. Que Dieu continue de nous bénir et de nous faire du bien. Notre sujet du jour, rendre compte. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta paix et ta grâce. Merci pour ta parole que nous avons entre nos mains. Merci pour ton Esprit Saint qui est là également pour nous éclairer, nous aider à comprendre ta parole. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Et que nous soyons bénis, donc. Et que ta parole puisse faire son effet dans nos cœurs. Je te remercie en Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, vers la fin du ministère de Jésus, ses disciples étaient venus à lui en privé et lui avaient demandé Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus prit ensuite deux chapitres pour répondre à leurs questions. Matthieu, chapitre 24, parle des signes de le monde qui nous entoure. Tels que les guerres, les catastrophes, etc. Puis Matthieu 25 parle des conditions dans l'Église juste avant le retour de Jésus. Ces conditions sont illustrées par trois histoires. Dans l'une est la parole des talents, qui parle de la façon dont son peuple utilise les dons que Dieu lui donne. Lisons Matthieu 25, 14 à 19. Et en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'heure deux à l'autre, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, et les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un cru dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Alors maintenant, trois questions nous est posées. Qui est celui qui voyage dans un pays lointain? À qui confie-t-il ses biens? Et que signifie le fait de rendre compte? Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Nous considérons parfois, chers amis, les talents comme étant des dons naturels tels que chanter, parler, etc. Mais dans l'histoire similaire des mines dans Luc 19, L'argent et sa gestion sont spécifiquement énoncés. Et la déclare ceci. Il m'a été montré que la parabole des talents n'a pas été entièrement comprise. Elle a été donnée aux disciples pour servir de leçon aux chrétiens vivants dans les derniers temps. Ces talents ne représentent pas, en effet, simplement la capacité de prêcher et d'instruire en prenant pour base la parole de Dieu. La parabole s'applique également aux biens matériels que le Seigneur a confiés à son peuple. Témoignage pour l'église, volume 1, page 73. Maintenant, poursuivons notre histoire de Matthieu 25, 20 à 23. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et te configuré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents et voici j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, deux questions nous sont posées. Que dit Dieu à ceux qui sont des gestionnaires de fonds fidèles et qui soutiennent sa cause Que signifie le fait d'entrer dans la joie de ton maître Là encore, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Chers amis, il est tout à fait naturel pour nous de penser que l'autre a plus de talent que nous et est donc plus responsable envers Dieu. En tout cas, dans cette histoire, cependant, c'est la personne ayant un seul talent, le moins d'argent, qui s'est avéré infidèle et perdu le royaume. Lisons cela Matthieu 25 à partir de verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, point ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent. Et donnez-le à celui qui en a les dix. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, chers amis, cette histoire nous enseigne que plutôt que de penser aux responsabilités des autres, nous devons nous concentrer sur ce que Dieu nous a confié et sur la façon dont nous pouvons l'utiliser pour sa gloire. Une autre question nous est posée. Comment allez-vous vous en sortir quand Dieu viendra vous demander les comptes Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Chers amis, la parabole de Talent illustre parfaitement la tragédie des occasions manquées. L'homme qui part en voyage représente Jésus-Christ. Les serviteurs sont les croyants qui ont reçu des responsabilités à des niveaux différents. C'est la fidélité que le maître attend d'eux, mais la parole suggère que tous ceux qui seront fidèles porteront du fruit. Donc cette leçon nous enseigne que tous les mortels, bons ou mauvais, devront un jour répondre de la façon dont ils ont utilisé les capacités, les talents et les ressources que Dieu leur a données. Ces lingots de la parabole appartiennent au Seigneur et il me les a confiés un temps afin que je les fasse fructifier pour lui. C'est ma fidélité à le servir qui sera évaluée. Chaque occasion, chaque opportunité qui s'est présentée à moi sera prise en considération. Alors, chers amis, la parabole de Talent braque les projecteurs sur les dons reçus de Dieu et la responsabilité qui en découle. Elle oblige à un examen de conscience décapant pour, je dirais, l'amour propre. Elle provoque normalement la contrition et surtout invite à la conversion. Nous sommes tous comme ces trois serviteurs, à la tête je dirais d'une fortune colossale. Mais cette fortune est entièrement reçue de Dieu et nous n'en avons que la Au terme, il faudra je répète rendre des comptes sur l'usage que nous avons fait des dons reçus. Peu importe donc le motif de la répartition inégale des dons que Dieu accorde aux hommes. Ce qui compte est l'usage que chacun en fait pour son propre salut, mais aussi pour l'édification de l'Église dans l'amour. La finalité de toute grâce reçue est donc toujours indissolublement personnelle et aussi communautaire. Celui qui enterre son talent, soit en le niant, soit en négligeant de travailler pour lui faire porter du fruit, c'est littéralement un suicide spirituel de la part de celui qui agit ainsi, et un assassinat spirituel à l'égard de l'Église et du monde, qui ont besoin que ces dons que Dieu m'a donnés soient déployés et partagés. Alléluia. Alors en conclusion, veillons donc et travaillons à déployer en perfection les dons reçus de Dieu. Soyons confiants dans la miséricorde divine qui nous est offerte gratuitement pour nous donner encore davantage. Nous disons donc merci à Dieu pour ses instructions et que sa paix repose sur nous, chers amis. Alors Dieu vous bénisse et à demain pour la suite de notre réflexion.